C'est ça, il courait, mais il se déplaçait, il faisait une bonne stratégie avant qu'il se fasse frapper, mais dès qu'il a senti la force, puis quand je l'ai atteint solidement, il voulait plus rien savoir, il a trouvé n'importe quelle excuse pour s'en sortir. Il a dit que sa main, il faisait mal, puis il a mis un genou à terre, puis après, il voulait rien savoir. Do you believe the hand injury was fake, or do you think it was real? You know, I don't know, but even if it was real, a fighter that wants to fight and win wouldn't take a knee. He didn't want to fight. If it was true, you know, in boxing, whatever, you do a little shot, you can have an injury very easily. So maybe it's true, maybe it's not, but he didn't want to fight, he didn't want to fight. Anthony DeCary fought last month here with his eye busted open in a tough fight, cut, hurt his hand, you know, and went on every round. Jean Pascal fought with his shoulder dislocated against a world-class opponent like Adrian Diacanu, you know. I mean, it's hard to imagine that, okay, you hurt your hand a little bit. You got another one, you know. We should know you put it back a couple of times, right? Huh? We should know you put it back a couple of times. That's not the point. I mean, like, you know, it would be something if he was hitting David with 25 right hands in a row and he hurt me. He didn't throw it. It didn't matter if it was hurt. You weren't throwing it anyways. C'est frustrant, David, le gros camp d'entraînement, Floride, tout ça dont on parlait tantôt avec Solis, avec Jean-Pascal. T'arrives ici, puis c'est encore 3 mois d'attente. C'est aucunement frustrant parce que l'expérience que j'ai en m'entraînant à des hauts niveaux de camp d'entraînement avec ces boxeurs, les entraîneurs, c'est l'expérience que tu n'oublies jamais. C'est l'expérience que c'est bon pour moi, pour mon futur. Alors, on ne regardait pas pour ce combat, c'est camp d'entraînement. On regardait au combat de Rubio et au combat dans les futurs. Alors, ces camps d'entraînement ne sont jamais donnés pour rien. C'est toujours une bonne expérience, puis c'est toujours le fun de s'entraîner avec Jean-Pascal, Odlanir Solis, Félix Diaz, Antoine Décaré, tout le groupe. On fait une super groupe. Alors, c'est jamais pour rien. Le combat, c'est sûr, c'est décevant, mais la préparation n'est pas décevante. C'est une continuation dans le développement de David. Et comme on avait parlé avec Pedro, les entraînements qu'on fait, c'est pas juste pour le combat qu'on fait présentement. On a fait un camp d'entraînement, on a fait le combat de Camacho, continue le camp d'entraînement, ce combat ici, continue d'autres entraînements, pour venir à le combat éliminatoire et un championnat mondial. Donc, c'est une continuation de le développement de David. David, did you spar with anybody we know in Miami? Yeah, actually, I sparred with Nicholson Pollard. We did some sparring with him, some technical work, and that's it. David, c'est la 25e victoire de ta carrière. Excuse-moi le terme, par contre, c'est...